Dès 2011, une accélération sur les questions énergétiques se produit, avec un vrai tournant décisif en août 2015, marqué par la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte. Son objectif ? Réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre et augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Une loi propulsant la France vers un modèle énergétique robuste et durable face aux enjeux d'approvisionnement en énergie, à l'évolution des prix, à l'épuisement des ressources et aux impératifs de protection de l'environnement. Dans le Jura, la commission consultative paritaire de l'énergie issue de la loi participe à cette dynamique. Elle réunit le CIDEC et les établissements publics de coopération intercommunale. Elle coordonne les actions en faveur de la transition énergétique pour assurer une cohérence des investissements et faciliter l'échange stratégique entre les acteurs locaux. Le CIDEC propose aux collectivités du Jura un conseil en énergie partagée, cofinancé par l'ADEME. Ce service de conseil vise à maîtriser et à réduire les consommations d'énergie et d'eau, valoriser le patrimoine, améliorer le confort des usagers et réduire les dépenses de fonctionnement. En parallèle, le CIDEC assure le montage et le dépôt des dossiers de certificats d'économie d'énergie afin que les collectivités bénéficient d'aides financières pour leurs travaux d'économie d'énergie. Dans la continuité de leur engagement auprès des communes, le CIDEC initie avec les 7 autres syndicats d'énergie de la région la mutualisation des achats d'électricité et de gaz naturel. En regroupant plus de 1000 membres, cette initiative permet d'acheter au meilleur prix et de renforcer la sécurité d'approvisionnement pour l'ensemble des collectivités adhérentes, contenant ainsi les fluctuations élevées des prix de l'énergie. Le CIDEC intervient également sur la ressource en eau. Il renforce ses interventions auprès des collectivités pour limiter les pertes en eau sur les réseaux d'eau potable, participer au renouvellement des réseaux et enfin améliorer la qualité des cours d'eau. Et dans le cadre de ses projets d'aménagement, le CIDEC intègre l'amélioration du confort des usagers ainsi que la désimperméabilisation et la végétalisation des sols. Parallèlement, sur un autre sujet, la numérisation des actes d'état civil, lancée conjointement avec d'autres structures de mutualisation informatique, modernise les processus administratifs tout en assurant une conservation sécurisée et pérenne des documents essentiels pour les communes du Jura. Cet engagement du CIDEC et des acteurs locaux est fondamental pour atteindre les objectifs fixés et assurer une qualité de vie meilleure pour les générations futures.